Bonjour tout le monde, avec même plaisir, on a entré la CAO pour nous présenter au rendez-vous, programme ça qui passait chaque jour, soit-il lundi, pour arriver vendredi. Non pas c'est Jacqueline Belizer, qui salue nous depuis Studio 57 dans Washington DC, quelques notre grand point qui a dominé l'actualité. Actualité aux États-Unis, président conseil présidentiel transition haïtien Edgar Leblanc-Fils prend la parole aujourd'hui dans la tribune Nations Unies dans l'occasion 79e session Assemblée Générale là, côté li rejeté accusation républicaine au fait contre haïtien dans Springfield, État Ohio. Et puis dans une interview exclusive avec VOA Creole, Barbara Feinstein, yon officiel dans le département d'État américain démenti affaires comme quoi troupes dominicaines apparaît pour faire partie mission multinationale là. Et puis toujours ici aux États-Unis, la justice accusait magistrat New York Eric Adams pour corruption. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité à mener nous dans New York avec troisième journée Assemblée générale Nations Unies côté nous pour rejoindre envoyé spécial nous qui c'est Valerio Saint-Louis. Et Valerio, une fois encore non Haïti sonné fort dans Nations Unies et ceci dans plusieurs occasions, mais plus fort ça c'est discours président Conseil présidentiel transition en parlant de Edgar Leblanc-Fils. Tout à fait. Bonsoir Jacqueline. Effectivement, la troisième journée ça, journée côté que leader, président, nation a défilé sous podium Nations Unies, eh bien, message, ou du moins discours qui était plus attendu pour aujourd'hui, c'est justement discours République d'Haïti. C'est à la tête délégation haïtienne, là, président conseil, là, maître Edgar Fils, eh bien, Leblanc-Fils lui-même était prêt la parole, mais on discours quand même qui vini dans le contexte côté que tu quand même gagné et tu mets en tête notre délégation. C'est après ça, en pile, le monde dit. Mais dans le micro VOA Creole, il était expliqué, il était clarifié que il y a une seule délégation et délégation ça travaille en harmonie entre Premier ministre Garry Conille et certainement président conseil là. Donc, sous tribune podium Nations Unies, jeudi, discours là, message a été lancé et c'est président conseil là et Edgar Leblanc-Fils qui te prend la parole et VOA Creole justement, il y a un extrait pour vous, on a regardé. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779 nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis. L'établissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Avant, et M. Edgar Leblanc, président CTPA, et bien, t'es l'autre occasion, je dis à Valerio, côté non-Haïti, t'es sonné fort encore. C'était dans le discours président pays Kenya, William Ruto, et Kenya qui a dirigé MMAS là, dans le pays d'Haïti, Valerio.
Tout à fait, Jacqueline. Vous dites tellement bien que, effectivement, nous connaissons que le président William Ruto, non seulement il a visité le pays d'Haïti, il est sorti dans le pays, il vient ici direct dans les Nations Unies, dans la 79e Assemblée, côté que débat était autour de Haïti et de participation force là, force MSS, j'aurais les licites en anglais, côté que lui-même, avec le pays, le Kenya, il a la tête force ça. Il est déjà pour mettre un contingent de 600 policiers kenyans, qui a pas ajouté à 400 qui déjà sous place en Haïti, côté que le pral fait justement pour mettre ça que le TFR, côté que 1000 policiers kenyans pourraient faire partie de force ça. Mais il y a l'autre pays qui t'a supposé et ajouté et force police par eux dans MSS là. Alors, président kenyan, ces jours-ci, l'a fait actualité avec le pays d'Haïti, donc nous allons comprendre que sous tribune Nations Unies, c'est sûr que l'État pral obligé de parler de Haïti. À part de rencontres bilatérales que le fait avec l'autre partie concernée et notamment les représentants de délégation haïtienne, le président kenyan, il fait promesse et il dit que l'a délivré promesse. C'est ça que justement, sous podium Nations Unies, nous allons attendre extrait que Véroa Créole gagne pour vous, côté que président kenyan lui promet et lui dit que, eh bien, en fin mois janvier 2025, là, lui promet et l'a délivré que tout contingent force kenyan l'a au total dans le pays d'Haïti. En attendant, un extrait, discours ça, que le président kenyan a fait sous extrait des Nations Unies, William Ruto. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels. Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes éternellement reconnaissants aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins, le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème. Valérie, grand pile information cap circulé et sous mission 1, gagné par exemple un gros officiel dans le département d'État américain qui parlait avec VOA Creole. Et c'est où qui t'a réalisé interview ça? Et envoyons un rapport complet de qui ça nous capable retenu, qui sont même retenu essentiellement de interview ça avec gros officiel département d'État ça. Tout à fait, Jacqueline. Officiel, ça quoi parler de l'IA, c'est Madame Barbara Feinstein qui lui-même lycée assistant député secrétaire d'État pour les affaires Caraïbes avec Haïti. Une autre fois encore, Anessa, elle chita ensemble avec VOA Creole et lui répond en détail différentes questions que nous te posons. Lui éclaircit plusieurs points et des questions qui ont qu'il nous a aimé poser, nous poser pour vous et vous avez une réponse dans l'interview ça que certainement vous avez dans toute intégralité sous VOA Creole. Mais qu'on y a nous a dit que Madame Barbara Feinstein lui explique clairement, il démentit dans le commencement de l'interview que c'est pas vrai. Et rumeur ça qui a circulé à Tribobabo fait qu'on est que le pays dominicani a voué et force police qui fait partie de force MSS pour aller en Haïti, lui démenti ça catégoriquement dans micro VOA Creole. Donc il dit non, le pays dominicani pas gain force pali qui a fait partie de MSS là. Et puis tout secrétaire d'État, alors assistant secrétaire d'État, lui parlait justement de secrétaire d'État lui-même Anthony Blinken qui était annoncé hier déjà et bien que le département d'État prend sanction contre ancien député Profane Victor, chef gang Savien Luxon Elang et lui bail plus détails sous sanction en général. Qui sa sanction, vous l'avez dit, qui sa eu implémenté et qui conséquence sanction tout. Nous te posé une question sur des sanctions qui te prennent déjà. Par exemple, sanctions qui te prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly. Libye détails sous ça, l'expliquer, paramètres et sa sanction, vous l'avez dit. Et pour qui sa sanction pour qu'on implémente d'après ça, pile monde d'avril. Et puis finalement, li parle tout certainement de sa gouvernement américain a fait pour les deux pays d'Haïti dans affaires crise humanitaire, alors Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Creole dans l'occasion 79e Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Donc Valério, et à demain.
N'a pas rejoint et qu'on y a un autre envoyé spécial VOA Creole dans New York, c'est Glorieuse Nelson, qui fait qu'on est, t'es gagné manifestation qui t'a déroulé, manifestation anti-gouvernementale devant le local Nations Unies pendant que président Edgar Leblanc lui t'a parlé dans la tribune Nations Unies Glorieuse. C'est jeudi, hein? Jeudi 26 septembre 2024 que Edgar Leblanc, qui c'est président conseil présidentiel haïtien, lui t'a pris la parole dans 79e Assemblée générale ONU. Hein? Pendant que Edgar Leblanc lui-même était sous tribune Nations Unies, hein? Quelques haïtiens, organisation Komokoda, étaient devant siège Nations Unies hein? Pour manifester contre présence Edgar Leblanc, contre le fait que Edgar Leblanc a parlé nan non haïtien. Nous rive parler avec Eknayo. Nous là pour justice, nous là pour peuple haïtien, n'importe moun ki là ki pa travay pour peuple. Nous obligé camper pour nous parler pour peuple. Li important parce que Edgar Leblanc c'est pas peuple qui te mette comme président. Bon conseil, 9 dragons 7 têtes, c'est pas peuple qui mette yo. Gary Conniff c'est pas peuple qui mette le premier ministre. Tout moun sa yo c'est États-Unis qui a fait un job sale avec haïtien tan kou. Qui pagaient nén en figure. Nous c'est haïtiens mais en plus non nous pagaient nén en figure nous. En plus non nous c'est mal pour nous. Nous là pour nous faire job jour America. Nous là parce que nous devons voir un message que Edgar Leblanc pas représenté par haïtien. Tout qui est grand y en Haïti. Tout qui est chef grand y en Haïti. Moi on va jamais commencer de dire. C'est parce que y a mon bon bois quoi et pied bonhomme. Voilà. Bah ouais tout le monde. Haïti, ça passe. Haiti is not for sale. Organisation Komokoda qui te gagné étranger qui vient supporter dans le mouvement. Nous parler avec Véronica qui a expliqué pour qui ça l'y accompagner Komokoda jeudi. No occupation. Non à occupation. C'est moun qui goumè yo, c'est moun qui travaille di yo qui doit gen contrôle communauté yo. C'est pas Clinton yo ou sinon si li groupe que yo rele si li ben kounya. Faut yo remettre Haïti l'argent million yo volé en 1915 yo. Faut yo quitter Haïti en repos. Faut yo remettre l'argent ou te volé. Jean Kawel là, quelques membres organisation Komokoda yo même yo bravé la pliant qui a fariné mais yo té estimé fort yo vinn di non contre présence Edgar Leblanc dans Nations Unies, yo estimé que Edgar Leblanc pas capable représenter ni parler dans non haïtien. Moi relé Glorieuse Nelson depuis siège Nations Unies dans New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Glorieuse, ou fait bon choix ou sous VOA Creole. Question sur haïtien dans Springfield, on dit accusation sur haïtien dans Springfield, Ohio, continue à dominer actualité aux États-Unis, surtout à procès contre Donald Trump et candidat parti républicain. Restez branché. Tant qu'on t'a annoncé l'Asian Bridge Alliance, relé devant la justice candidat pour parti républicain Donald Trump, avec toute colistier li, J.D. Vance, pour désinformation sur haïtien dans Springfield, Ohio. Responsable yo bayon conférence pour la presse, jodia nan Washington DC, gentil Augustin Junior te présent. Yon groupe parlementaire nan Congrès a pren yon résolution pour parler avec groupe républicain yo qui a attaqué haïtien yo. Et résolution ça li même li basé sous plusieurs points concernant migrants yo. Yo fait comprendre que migrants yo pas de vini pendant bordé a ouvert parce que yo t'ai commencé vini là depuis longtemps. Yo fait connait tout. Migrants yo participé dans économie pays ya. Yo participé dans développement États-Unis. Et pour qui ça, y a obligé attaquer yo. Et résolution ça, li pral permettre yo même en tant que parlementaire pour chita avec groupe républicain ça yo pour discuter sous avenir migrant yo. Résolution vraiment centrée sous cause qui fait moun ap quitter pays yo, soit que pour y aller sous frontière ou bien ap chercher l'autre moyen pour yo jwenn protection, l'autre moyen pour yo jwenn asile, l'autre moyen pour yo sauver la vie yo. Alors li vraiment centrée sous cause ça, li dit comme ça que si pays sa yo stabilisé, alors moun pas obligé ap sauver pour quitter pays sa yo. Et c'est ça nous même dans Haitian Bridge Alliance t'a mandé pour Haïti joigne un souffle, pour l'autre pays joigne un souffle, comme ça pour moun capable vivre la caillou avec dignité. Guerline Joseph qui c'est
responsable Asian Bridge Alliance, qui t'a parlé avec nous sous un lawsuit que lui-même li file contre J.D. Vance avec Donald Trump pour diffamation que il a fait sur groupe haïtien yo qui vivent au Ohio qui mettait vie haïtien ça yo en danger. Pour qui ça lawsuit là, c'est parce que yo prend communauté haïtienne là pour petit mis en garde. Yo gardé nous, yo wè nous semblé monde qui pas qui représentant. Yo gardé nous, yo c'est monde noir et yo gen problème avec monde noir, yo gen problème avec Haïti personnellement parce que nous tenace pour nous prendre l'indépendance, pour nous bailler le monde indépendance. Alors yo kembe ça comme un défi que yo vle continuer pour yo tout pizi Haïti avec haïtien. Alors nous-mêmes nous râler devant la justice pour yo capable pour premier pour nous faire payer bouche yo pour yo faire pour nous faire respecter communauté haïtienne là et Asian Bridge Alliance qui travaille avec haïtien qui travaille à migrants haïtiens qui travaille à tout migrant yo filon leur sout yo dit pas gain route pas bois faut que yo fait deux moun sa yo payer bouche yo pour diffamation ça yo fait contre haïtien yo nom c'est Gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. États-Unis justice autorité judiciaire dans New York inculpé magistrat Eric Adams pour crime fédéral. Sandra Lemaire gain détail. Good morning everyone. Thank you for gathering. Today we are announcing campaign finance. La justice ville New York accusé officiellement magistrat Villa Eric Adams pour crime fédéral jeudi. Accusation en dit Adams te recevoir l'argent en battable nommé étrangers, ensemble avec contributions illégales pour campagne li, en échange pour bénéfices qui incluent aider responsables pays la Turquie, joindre approbation autorité sécurité contre incendio pour un nouveau building diplomatique qui a construit dans New York. Adams, c'est un ancien capitaine de la police ville New York et l'a fait face avec accusation pour complot, fraude, avec l'argent imbattable que l'était accepté dans un document légal qui gagne 5 chef accusation et qui détaillait crime l'été commettre pendant plusieurs années. Pendant une conférence pour la presse, côté l'été annoncé accusation, hein, Damien Williams, procureur Manhattan, a dit Adams t'est doué by détail sous cadeau l'été recevoir, mais après une année, l'ikembe public là n'en fait noué. Nous accusons le magistrat Adams dès qu'il était accepté contribution ça, malgré qu'il était connu était illégal et que c'était une tentative gouvernement turc là, un businessman turque qui a cherché acheter influence li. Dans une conférence pour la presse séparée dans résidence officielle li, Gracie Mansion, magistrat Adams déclarait li pas gain intention démissionner. It's an unfortunate day. C'est une journée qui triste et qui dure. Mais à part ça, c'est un jour qu'on finalement nous voir qu'on a pour qui ça m'a passé misère ça yo depuis 10 mois. Et m'a content que l'opportunité de défendre tête moi et puis défendre citoyen ville ça. J'en moi toujours fait pendant carrière professionnelle moi. New York, c'est plus grande ville aux États-Unis. Adams dit journaliste yo, li espérer mon New York yo va attendre pour coûter défense équipe légale li avant yo juger. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. L'autre point dans l'actualité à Volodymyr Zelensky, président pays ukrainien qui n'a guère avec la Russie, trouvé dans Washington DC. Président Joe Biden recevoir dans la Maison Blanche. Côté yo discuté sous plan président Zelensky gagné pour mettre fin dans la guerre contre la Russie. Zelensky a rencontré tout avec vice-président Kamala Harris dans Washington DC et selon programme nan, l'a rencontré tout avec ancien président Donald Trump. Officiel pays États-Unis dit administration Biden a voyé par Ukraine yon quantité bombe yo pas dévoilé qui gagne frappe moyen avec une série rocket attirail avec machine blindée dans cadre yon aide militaire qui totalisait à peu près 375 millions de dollars. Nous comptons d'être toujours branchés et c'est un bon choix. Pas de place. Actualité dans le pays d'Haïti, ancien sénateur Youri La Tortue, moun patande longtemps sous scène politique là, souhaitait porter contribution pâle dans la lutte contre l'insécurité en Haïti. Un reportage, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Dans le moment débat a fait sous scène internationale là, par rapport à une éventuelle possibilité pour ta convertir force multinationale soutien à sécurité en Haïti par une mission la paix Nations Unies,
ancien sénateur Yuri La Tortue, yon spécialiste dans le domaine sécurité que moun patande dans la presse depuis yon bon bout de temps à cause sanctions internationales, quoi, c'est plus équipement l'armée d'Haïti avec la police besoin pour capable de raciner phénomène insécurité dans moins que 3 mois. Yon mette l'armée à souvenir. Yon prend police là, yon pas équipement. Population campée avec yon, n'a pas résolu le problème là. N'a pas résolu le problème, yon prend 3 mois, n'a pas résolu le problème. Gardez là, c'est Haïtien qui a résolu le problème ça. Et depuis nous résolu le problème, élection a plus facile. Depuis nous résolu le problème, aider la population a plus facile. Je ne dis pas que moi-même, si je prends un choix, je prends un peu fort pour mettre la question de sécurité au lieu de me faire un petit coup. Parce que le jour que moi je suis pour la sécurité, mon matissant, les gars lâchent les œufs dans le fermement. Mon matissant, les gars naïfs, les gars caillent, José a pas calé. Mal 15 000 gouttes, il a passé mal. Moi-même, je priorise la sécurité, mobiliser l'armée, mobiliser la police. État d'urgence, je fais tout le monde. Vrai état d'urgence, je réquisitionne tout le matériel, je mets la sur nous, je marche pour eux. Et après, on prépare ici, les gars faire activité. Bon côté pal, yon dirigeant organisation Douamoun, M. Camille Oxyus, quoi, gen nécessité pour Nations Unies faire yon réévaluation par rapport à mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Nous sommes capables de dire que ça a déjà arrivé dans la fin et Mandali, parce que en octobre, et mission lui-même, la Mandali a pas en fait. Donc, nous-mêmes, nous croyons gen nécessité pour yon réviser résolution, hein, à savoir, bay possibilité à force là dans tête collée avec la police pour faire des interventions musclées, c'est-à-dire permettre à ce que force en lui-même les plus efficace dans le travail qu'il a fait et permettre de gagner du matériel qui est approprié qui est disponible ni pour force ni pour et la police. Même nous croyons que jodi a gagne nécessité pour que yo fassent une étude en profondeur pour garder qui mode d'opération yo capable mener pendant y a respecter droit monde. Mais, pour regarder qui ça aurait posé en termes d'action pour bailler une réponse proportionnelle par rapport à civil armée qui a simulé la terreur dans tout petit coin dans le pays. Pendant ce temps, direction Grand Nord à Grand Sud toujours été paralysée à cause propre loi nek armée imposée sous dos population civile. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, nous saluons tout le monde qui est toujours branché VOA Créole et ça fait nous un pile plaisir. Et merci un pile de ce qu'on fait ça. Fait bon choix au sous VOA Créole et qu'on y a nous praler dans ville Paris avec journaliste Edouard Franklin Djedem sous communauté haïtienne. Plusieurs organisations dans Paris te voient invitation by communauté haïtienne de France là pour venir participer dans un colloque pour démarrer une entrée culturelle et politique en dans communauté haïtienne de France là. Parmi organisations sa yo qui te présent, te gen COSDE, AEDA, Hibiscus, Parti Providence et l'autre encore. Te gen un panel journaliste et politicien qui t'a posé question, répondre question, plus participation publique là. Puis fort question yo et ligne débat, te gen pour wè avec question insécurité ya. Changement classe politique ça, c'est eux même qui pas porté rien de spécial pour pays d'Haïti. Organisation élection yo coûte que coûte pour certains intervenants. Rencontre dialogue de communauté internationale. Appliqué en Haïti, ça revenait une politique d'ajustement structurel. Et une politique d'ajustement structurel, là, il gagne tout un ensemble d'impact sur Haïti. Et il ne faut pas oublier que c'est avec l'arrivée des politiques d'ajustement structurel que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international appliqué en Haïti, que nous venons accoucher, ça revenait démocratie libérale. Là. Et démocratie libérale, là, et je me disais, c'est une source de. D'instabilité que lié pour Haïti, parce qu'ils ont imposé une démocratie qui n'est pas adaptée à nous, à coutume nous, vite fait que je vous dis à nous tous nous conscients que on a depuis le fait que nous avons une stabilité politique en Haïti. Élection coûte que coûte. Élection faut le fait. Quelles conditions sécuritaires ou bien, que ou pas bien, même si c'est 10 mondes, c'est 20 mondes qui ont voté. Faut que nous sortions pays dans sa la transition pour nous mettre un président, il y a des sénateurs, il y a tout le monde pour nous capables de commencer
yon début d'état. Gen an pile l'autre point qui t'est touché pendant que moun yo t'est continué à poser question. Mais est-ce que genre de manifestation ça yo réellement important pour faire bouger politique là en dans pays d'Haïti? Ou pas capable faire yon entrée politique lorsque qu'on a changé de période. 2024-2025, faut capable dire nous même dans communauté à qui ça nous penser, qui ça nous pral faire, qui vision gain pour jouer cap vidéo. Nous depuis les Haïti entre nos bagages CPT et comme si nous t'a dit tout le monde, c'est comme si tout bagage bien marché. On ou Haïti puis mal que j'en étais au départ. Mouvement est ensemble ça dans Paris pour qu'on finisse en place pour être capable définir qui prochaine action que on va poser contre système politique ça. Mais ça sûr d'après ça nous et nous comprendre, yo pas sous ligne pour y camper. James Franklin Edouard depuis la ville lumière Paris. Pour la voix de l'Amérique, créole. Merci, Jedem, c'est ton plaisir. Eh ben, mes amis, nous pourrons parler de Groenland. C'est yon côté, moun pas presque habité sous l'île, chargé à glace. Et pourtant, dans Groenland, football, c'est roi et c'est yon paquet fanatique malade qui a cherché, fait qu'on est non yo et on voulait jouer contre l'autre pays. C'est yon rêve tout, mais c'est un rêve tout autant que yon pas nan yon fédération. Mes amis, n'a gen pour nous parler plus de Groenland qui trouvait nan Danemark et qui voulait rentrer nan CONCACAF là. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Non pas m'se Jacqueline Belizère, n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Bonsoir. Les dispositifs yon pas prend dans espace que dispositif yon prend, déployer Itag, déployer Boyd dans ville Saint-Max, c'est pour faire show off. Parce que côté maladie aille, c'est là que vous avez aller. C'est pas pratiquement dans espace, dans caille. Parce que maladie a quitté caille là déjà. Maladie a aller directement dans l'hôpital. La police besoin prend position pour y aller dans niveau Kafoupey. Côté bandit yon vin tabli en base. Dans même journée que yon dit Itag, Boyd, déploie tourner dans ville Saint-Max, et bien dans même journée ça, trois petits machins qui t'a cherché la vie sur route nationale numéro 1, dans la zone cadeau, en localité qui est les trois ponts, nous avons perdu la vie, en bas balle, bandit grand rivio. Et si vous regardez une vidéo qui est déjà virale sur Internet, là, côté une nan bandit, base grand rivio déclaré, eh bien, comme l'Ixon Elan, te bail l'autre pour moun yo te payer pour te passer sur route nationale numéro 1, yo pas décidé de passer, y'a le passé sur une route secondaire en dedans. Li di moun yo à partir de journée ça a Blaise Peterson. Moun pa doit passer sur colonial là, yo pral vide balle sur moun yo. En dedans. Pendant tande, la police a déployé tonné. Oui, dans commune Verrette, nous cap dit que Itag après 20 mois que yo gagné dans communauté si là, yo protégé ensemble activité qu'a fait dans commune Verrette. Yo permettre que l'école fonctionne, yo permettre que activité commerciale yo fait, yo permettre question agriculture dans commune Verrette li fait. Mais songez que Itag li gen principale mission, c'est contrecarrer bataille contre gang à travers pays. C'est pour ça, livrer les Itag, unité tactique ou bien unité temporaire anti-gang. Jusqu'à présent, après 20 mois, qui bilan Itag gagne dans le niveau département de la Tibonite? Si vous avez volonté pour qu'on y ait dans le déploiement qui est fait dans la ville Saint-Marc, où vous prenez direction pour sonder, là où vous pour sonder, vous avez besoin de river Kafou pays, vous avez besoin de river trois ponts, côté bandit, vous avez sorti et presque chaque jour, et vous avez besoin tout pour rentrer Tigrigé à la Tibonite. Vous avez besoin pour rentrer Liyankou. C'est là ça moi-même. Comme nèg la Tibonite m'a comprendre son bonne nouvelle. Jusqu'à présent, c'est show off pour l'opinion publique, pour moi-même, que moi, qui a fait là, dans cette situation, ni bon côté directeur général la police, ni bon côté et service presse la police, faut que vous suspendez, à faire propaganda, faut que vous posez des actions. Que moun kap d'accord. Je dis à moun qui se moun tirivé la Tibonite, qui se moun Liyankou, qui pratiquement, d'ailleurs, besoin d'entrer la caillou, yon gen opportunité, yon capable d'entrer parce que situation difficile en pile, bien sûr, personne. Ancien sénateur Yuri Latortue, fait qu'on est, gagné 29 conteneurs d'âmes qui étaient rentrés sous franchise l'église épiscopale en dedans pays. Sorti année 2018 pour arriver année 2022. Gagné 100 conteneurs d'âmes qui rentraient en dedans pays. Parmi eux, 29 qui passaient sous franchise l'église épiscopale. Selon ça, ancien sénateur a dit, c'est un rapport enquête qu'elle présentait dans le point de presse à quel débat, service franchise, ministère, service franchise, ministère finance, utilisé une lettre ONG, Rise et Against Hunger, qui te voyé un conteneur plume à cahier pour l'église là, et puis, yon te arrangé, yon fait même document ça, yon rentré dans l'autre conteneur d'âme qui distribué dans le quartier populaire pour te contrecarrer ensemble mouvement politique qui t'a fait. Et ancien sénateur Yuri Latortue qui gagne non que l'ONI ou bien enquêteur expert Nations Unies te dit que monsieur était
participer dans distribuer armes dans département la Tibonite en pile monde dans département qualifié de diversion sa ancien sénateur Yuri La Tortue a PCF là par rapport avec Chay quelqu'un sous doule yo posé question pour qui ça depuis lol pas jamais dire mais quand pour ancien sénateur Yuri La Tortue il dit rapport enquête ça il pral côté by et commission justice à commission vérité que conseil présidentiel que gouvernement mettait sous pied blesse personne bini à les Nations Unies te entendre pour te chita yo organisé sorti 24 pour arriver 25 septembre nan des journées formation pour personnel qui sorti dans Jamaïque avec Belize qui rejoignent MSS en dedans pays d'Haïti qui va permettre au moins que c'est donc regarder plus bon manière plus bon façon pour adresser problème qui gagne en dedans pays surtout question insécurité a sanction Blaise Peterson nan département d'état américain ou département trésor américain yo prend disposition yo annoncé yo ensemble sanction. C'est à travers porte-parole Matthew Miller qui publie rapport sanction département d'état américain contre ancien député Cyrilien Latibonite Rofan Victor 25 septembre 2024 là. Sanction contre ancien politicien haïtien ak yon chef gang qui impliqué dans grave violation droit moun en dedans pays les États-Unis sanctionné ancien parlementaire haïtien Rofan Victor pour rôle li te joué dans formé ak supporter et puis armé et gang qui commet gros violence sous droit moun en dedans pays a. C'est ça que yo raconté actuel chef gang Grand Rifla Dixon Elan yo sanctionné le tout pour participation dans gros violence sous droit moun à travers activité gang dans département Latibonite tout des moun ça blessé personne Nations Unies ou bien département d'état américain rappelé yo te gen non yo qui te cité dans dernier rapport et final comité expert Nations Unies était entendu pour te faire comme qui gen gros responsabilité dans crise cap ravager pays d'Haïti. Rapport ça a dit niveau violence ak méchanceté quand yo montré et nan violer droit moun en dedans pays a et ces bagailles qui sont pareil dans attaque régulier y a mené sans pitié contre population dans tout pays mais particulièrement dans département Latibonite. C'est à partir de ça que yo saisi pour yo mettre sanction sur ancien député Cyrilien Latibonite pour 50e législature Profan Victor ak Lixon Elan. Et n'a rappelé Profan Victor te gen Odma Lucien chef gang Savien qui parle encore que sans doute nous songer que Jacques Adet qui était directeur départemental dans mariage police avec population dans l'année 2020-2021, te fait une intervention dans sa vie et puis Odma pratiquement n'a pas parlé de lui dans le passé, il pas présent encore, mais malheureusement, autorité dans la justice en dedans pays. Malgré dénonciation que Odma te compte tout le temps fait, pour te dire, profan te utilisé un commissaire principal qui était dans la ville Saint-Marc à l'époque, qui s'écrit 27 août, il te dit que profan te utilisé Robert Montina alias Timotas pour te porter des armes au Bali. Jusqu'à présent, pas jamais de question que la justice au niveau pays, au niveau département posé. Ni Cliven 7 août, ni Robert Montina, ni Profan Victor, ou pas jamais relève, ou te dire comment faire Odma à citer non, comme monde qui te voit les armes Bali. Eh bien, les États-Unis semblent prendre bagala au sérieux, yo prend en l'autre phase, dans question de la situation. Est-ce que sanction yo pral pote qui joue au pays d'Haïti? Est-ce que sanction a résolu le problème, non? Mais grand pile monde qui dit que c'est cacarat, des boîtes, pas grand, et c'est le cap fait, vrai. Parce que depuis date qui a sanctionné, qui ça sanctionné au fait? Sanctionné au permet, il y a plus de liste, violence en dedans pays, il y a. Il y a sanctionné des mondes qui sont dans le secteur privé des affaires, il y a sanctionné des mondes qui sont dans la politique. On n'y a pas changé, la situation de bagarre était, même pareillement, monde toujours trouvé dans une situation très difficile. Opération la police, il fait quoi qui a pour suivre? Il y a dit qu'il y a plusieurs gros chefs gang dans Gressier qui arrivaient stopper, bien qui arrêtaient tout, mais prétendre que la police est pratiquement présenté un rapport complet sur ensemble intervention à coopération, ça, ok, mené. Commissaire Jeunesse Muscadin semblait prendre dans un show, la situation, parce que bon citoyen, qui semblait sortir canapé vert, qui a dans le pays, malheureusement, dans Miragouane, et commissaire Muscadin, t'as dit, monsieur, qu'elle dégaine information sur lui comme bandit, monsieur parle encore, et ouais, petit, avec madame, et certains Wilde alias Dedessa, a crié dans le micro la presse, ou dit que, yo touye papa ou innocent, papa ou pas gang, blessé personne, même des francs amis, avec, commissaire Jeunesse Muscadin, a pensé donc, t'as posé question, fait quoi, qu'il y aurait dans le téléphone, yo pas gage venu, pour yo mandel, qui s'est passé, qui en ça a fait arriver, qui côté de l'information, sous citoyen ça, qui parle encore, blessé personne. Là, ça qu'on va parler de Sibonès, qui est sous-secrétaire d'État américain pour Monsieur Alain, qui c'est Brian Nichols. Monsieur, dans l'interview que avec deux confrères et des consuls à l'étranger, encore, monsieur fait qu'on est que États-Unis a travaillé bon côté Conseil Sécurité Nations Unies. Il a transformé mission multinationale ça en mission Nations Unies, parce que selon Brian Nichols, monsieur fait qu'on est que jusqu'à présent,
en pile pays qui te promettent que y a bay moyen, y a bay si, y a bay ça avec mission, hein. Ça c'est pas bay rien. C'est les États-Unis jusqu'à présent qui a bay moyen avec mission ça. Il trouvait que, et si mission transformée en mission onusienne, et ça aider, ça permet que yo rive bay résultat et j'en assez moyen adéquat, j'en moyen vraiment pour aider dans résoudre question insécurité qui gagne dans le pays et permet que peuple haïtien lui-même li j'en une solution avec ensemble de problèmes d'après la selon Brian Nichols. En même temps, tout désir, gagné président dominicain, M. Luis Abinadel, monsieur qui prend la parole, dans journée qui c'est mercredi 25 septembre 2024, là, Luis Abinadel, monsieur fait connaître que, t'as bien aimé tes notes, nous, ça qui a passé Haïti là, il y a de gros conséquences sous ces domaines. Et monsieur dit que, je dis, hein, l'imandé avec Andy, communauté internationale, là, pour que li capable aider Haïti ne permettre que yo aider résoudre sa gueule comme problème des Irvenes. Mais jusqu'à présent, et monsieur Alepine vous le dit que majorité service de base que l'État dominicain a baissé ces domaines, en pile haïtien prend yo. Haïti monsieur montre que haïtien presque mettait dominicain dehors la kaili n'a prend service de base yo. Mais lui Abinadel oublié tout. Dans la question de sécurité qui est là, en pile dans les âmes qui entrent à Haïti, ils ont transité, rentré en ces domaines. Mm-hmm. En pile dans les âmes, ils ont transité, passé ces domaines pour entrer à Haïti. Pour entrer à Haïti. Ça veut dire là, ces domaines pas innocents. Bien que les jeunes avaient un ensemble de conseils, avaient un ensemble de traites en Haïti, qui, yo même tout, bah, bourrade avec question insécurité, violence, calamité et souffrance qui vient là des Irvenes. Le bagage encore, mon frère, n'a dit que c'est jeudi 26 septembre ça, que président conseil et président de cette transition, hein, Edgar de Blanc-Fils, monsieur a pris la parole sous tribune des Nations Unies. Il prend le parler concernant le dossier Haïti, situation Haïti, pour nous répéter ensemble de services communication. La présidence et Edgar Leblanc-Fils Désir Venès. Le bagage qu'on a dit Désir, PM Gariconi, qui présente aux États-Unis, monsieur continue à rencontrer communauté haïtienne, non? Dans Brooklyn, dans New York, un peu le côté là, puis au capable, ouais, et l'a encouragé, yo, ou yo, à investir en Haïti, parce que surtout dans le Nord et surtout dans le Sud. Selon ça, vous répétez, PM Gariconi. C'est vrai, elle dit, Port-au-Prince, non, l'USA a des problèmes sérieux, mais il a vraiment bon tout pour que pendant que les problèmes sérieux, pour y gérer, pour que y ait des investisseurs qui investissent en Haïti, surtout, si là, yo, qui, dans la diaspora des Irvenes. Et Désir l'a rappelé, c'est, selon Maître Michel Jean-Jean Désir, en tant qu'elle dit, c'est mercredi 26 septembre, non, que, il t'a dû acheminer, il t'a dû voyer, non, qui, moun qui va remplacer le général Gilles, bah, Caricom. C'est Michel Boyel. C'est André Michel Boyel. Ça qui passé. Mais André Michel te dit que, mercredi 25 septembre, non, c'est ta dernière date, dernier lait. Puis, t'as voué non ça, entre Marjorie Michel, ou dis-moi, est-ce que Vickerson gagné, ou t'as voué non ça, non, c'est une annonce yo, by Caricom, pour ta remplacer le général Gilles, puisque non, le général Gilles cité, dans scandale corruption, qui dépouait avec causé, et 300 millions de goudes, dans question Caricom, Désir Venès. N'a dit que Désir, nous prenons le vini, surtout avec, par contre, je vais ton bagage, sur ensemble des points, ça va déjà avant de venir avec. On va avancer. Et nous allons venir avec, reporter ça, qui dépouait avec, déclaration Luis Abinadel, monsieur qui montre que je dis, hein, et ça gagne là, ok, que États-Unis et que ces domaines, ça Haïti a qu'on est là, ok, ça Haïti a qu'on est là, eh bien, li gagne de gros conséquences sur ces domaines, et monsieur même le montre que, et par là, Briap Kouri tout désir, pour ta montre que ces domaines
Galette a gagné l'idée pour d'avouer les soldats, oui, dans la mission ça. En tout cas, en nous suivant le reportage sur l'intervention de Sabine Adelan, qui concerne nous, Sandra Lemaire, de la Voix d'Amérique. Bon, que concerne nous, Sandra Lemaire, ou recevons désir. Très bien, très bien. Que concerne nous, Sandra Lemaire, lui-même, et faire après dans question d'intervention de Sabine Adel sur le cabinet des Nations Unies. Entendez ça qui dit. Assemblée générale Nations Unies mercredi, président République Dominicaine Luis Abinader dit communauté internationale là gagne un rôle clé pour jouer. Dans les efforts qu'a fait pour résoudre menace insécurité Haïti a posé pour pays les. La crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de trois ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. Abinader détaillait tout impact crise Haïti a gagné sous service social de base pays li, ça coupe par exemple soins santé et éducation. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Président dominicain a remercié Kenya pour volonté pour diriger force sécurité multinationale et puis États-Unis, CARICOM, avec l'autre pays qui déjà protocolé à force là. Mais il dit qu'il y a plus de travail qui pour faire. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Abinader critiquait les pays qui promettent pour aider Haïti à résoudre la crise, là, mais qui pour qu'on fasse. Et il dit, puisque sécurité pays est en jeu, il paraît pour le faire, ça doit faire pour défendre pays. La mission est source d'espoir et permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicales pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. Même délégation Haïti a été présent pendant le discours Abinader. États-Unis a travaillé avec l'ONU sous une résolution qui t'a converti force multinationale là dans une force maintien la paix plutôt. Sandra Lemaire, VOA Créole. Bam retourner reportage encore désir parce que moi c'est vraiment important. N'a retourner mais Sandra fait débat sur lui. Lui Sabine Adel dit que lui prêt pour faire tout ça que le capable faire doit faire pour le défendre pays. Pour le protéger, pour le défendre pays. En tout cas, on a tenu un reportage et on va tenir avec des bassins. Plus de trois ans, l'instabilité devant l'Assemblée générale Nations Unies mercredi, président République dominicaine Luis Abinader dit communauté internationale là gagne un rôle clé pour jouer. Dans les efforts qu'a fait pour résoudre menace insécurité, Haïti a posé pour pays les. La crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de trois ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. Abinader détaillait tout impact crise Haïti a gagné sous service social de base pays li, ça coupe par exemple soins santé,
ak edukasyon. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Président dominicain a remercié Kenya pour volonté pour diriger force sécurité multinationale et puis États-Unis, CARICOM, avec l'autre pays qui déjà protocolé à force là. Mais il dit qu'il y a plus de travail qui pour faire. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Abinader critiquait pays qui promettent pour aider Haïti résoudre crise là, mais qui peut qu'on faire. Et il dit, puisque sécurité pays est en jeu, il paraît pour le faire ça, lui fait pour défendre pays. La mission est source d'espoir, qui permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicales pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. Membre délégation Haïti a été présent pendant le discours à Binader là. États-Unis a travaillé avec l'ONU sous une résolution qui t'a converti force multinationale là dans une force maintien la paix plutôt. Sandra Lemaire, VOA Créole. Désir Kounia là, moi-même, va commencer. La situation, en plus fois, le Louis Abinader a parlé, ouais, il presque été comporté en tant que président de l'île entière. Soyez ensemble des marches liées, dans tout moment, côté, nous t'a cherché appui pour question sécurité en dedans pays. Dit aller à la Maison Blanche pendant plusieurs reprises pour aller essayer donc regarder question ça. Et malheureusement, il y a une pile hypocrisie qui a fait face avec question. Hein? Parce que, je dis, les États-Unis, bon côté parle, ils ont sanctionné. Mais est-ce que ils ont sanctionné tête déjà? Parce que, Haïti n'est pas fait d'armes. Politiciens, entrepreneurs, qui ont distribué les armes, qui côté acheter les armes? Pas qui bon que les armes passent. République dominicaine qui estime que l'instabilité, l'insécurité qui est en dedans pays, a, je dis, représenté une menace pour eux, est-ce que ils n'ont pas de jambes? Fait allusion avec ça. Est-ce qu'on peut essayer de faire prévision contre ça tout? Parce que, les personnes, majorité, ZAM qui sortent, soit à l'État Floride, qui ne rentrent directement dans l'avion, qui ne rentrent dans le bateau, et en Haïti, ils ont transité vers la République dominicaine, qui permet qu'ils rentrent avec facilité dans le pays d'Haïti par rapport avec faiblesse qui gagne dans la police, dans l'armée pour veiller ensemble des frontières. Et jusqu'à présent, nous avons des frontières qui étaient libres. Qui est-ce qui t'a influencé pour t'écraser les barrières frontières? Nous voyons en pile dans nous, on connaît que Louis Abinader, ce gouvernement, t'a investi en pile pour ça. Surtout dans le moment que Haïtien t'a essayé d'autres construire Canada. C'est très bien. Même inquiétude que Louis Abinader gagne comme président de la République dominicaine, je veux dire. Ou t'as de ouais, Joe Biden comme président des États-Unis d'Amérique, t'as de gagne même inquiétude dans tout. Parce que question insécurité qui gagne dans le pays d'Haïtien, li kap fè yon éclatement qui kap gen impact mondial. Et de fait, ça kap passe là où les citoyens, impact là, rive à travers le monde, parce que l'autant de gen trafic organe kap fè, l'autant de gen moun qui pratiquement ap kidnappé, pas qu'on est, si moun yon gade vidéo, côté nègre retourné, nan torture qui a fait bon côté moun qui ki yon kidnappé. Un personnage avec bravoure, un personnage avec courage, li décide côté lié à, malgré nègre maltraité, pour le rete, les citoyens, avec bravoure qu'il gagne. Li di nèg yo ken yo touyèl parce que nèg yo a forcé pou yo vide on bagay sou domaine. Tout ça yo, nous pensons que le monde yo gen yeux y a regardé. Et c'est pas bagay qui fait qu'a pratiquer. En pile hypocrisie a fait. Nan moment 79e session générale ordinaire des Nations Unies. En pile nan yo a montré que yo gen sympathie envers Haïti. Mais c'est dans discours. Après journée discours, tout bagay a passé. C'est ça fait que c'est haïtien qui besoin de prendre responsabilité. Oui, la République dominicaine besoin de protéger la Caraïbe. Et c'est fréquent cité.
après 25 ans, n'a pas qu'un bémer République Dominicaine, n'a pas balbourade. Ok? Après ça, nous avons pas qu'être kank, nous avons pas qu'être corrompu, nous avons pas qu'être criminel, nous avons pas qu'être choule, qui vient dans notre pays, qui déstabilise la République, permet de dire qu'un pile haïtien vraiment, a couru pour aller en République Dominicaine. Tant qu'on a des bagages que monsieur dit, service de base, que haïtien a pris en République Dominicaine, il n'a pas fait menti. Et il investit pour ça arriver, les personnes. Il a investi dans craser Haïti pour ça arriver. Même gens ou pas, ouais. Et qui ça a fait contre haïtien dans plusieurs États États-Unis? C'est pas seule République Dominicaine qui a fait un discours ça. Et pas Donald Trump a un discours comme ça dans la campagne. Un discours discriminatoire contre les haïtiens. C'est ça qui me dit. Ou moi-même, Blaise. Quel que soit côté haïtien et à travers le monde là, il a besoin de comprendre. Que yon marié sa ou gen comme conscience avec volonté, détermination pour nous aider Haïti dans sa lia. Li possible pour nous retirer. C'est conscience qu'on a besoin pour nous changer état, pour nous changer mode de vie qu'on gen en pays en bless façon. Moi-même, moi qui a comprendre que Luis Abinadel, monsieur dit que ça qui a passé en Haïti, li représente une gros menace pour lui, pour payer le ses domaines. D'accord avec ça le dire. Parce que si nous même la ka nous sommes savants, bien que lui même tout lui fait la ka la tout nous savants tout, parce que lui gen, parce que j'aime dire, en pile nan zam qui entre Haïti, yon transite la ka monsieur, yon pas, yon pile nan sorti qui passe par frontière, majeur, d'aide si qu'on a dit ça là, nek sa vient, nek 400 maouzo, en pile nan zam, qui nek ou jeune, et nan frontière ou passe, yon jeune nek yo. Quel que soit voie légale, voie illégale, qui donc, c'est le même pas innocent. Nan sa gela comme insécurité. Benader son passoire pour vous en passer. C'est exactement. La majorité cartouche à l'examen pas passer. Exactement. Qui donc, pendant que nous, sa gela kaila pendant plus que 3 ans, li représente un gros menace, un gros danger pour li. Hein? Mais kounya, an gade niveau de responsabilité dirige par nous tout. Parce que, malé au-delà. Abinadel gade 3 dernières années picolé. Bagay la serré. 2 ans avec Ariel. Et si nous prenons depuis sous la période de moi, Jovenel, jusqu'à juin, je dis là, 3 ans ça, et 3 ans tête chargée. Avec insécurité. Hein? Ok. Qui donc, je dis, hein? Lè que Luis Abinadel Kapel dit que, pendant 3 ans, ça représente un gros danger, un gros menace pour lui. Hein? Moi, je comprends. Moi, je comprends ça le dit. Moi, d'accord, ça le dit.